Que la main de l'Éternel soit sur votre vie, dans tous les aspects de votre vie, et aussi de votre famille. Et on va continuer notre enseignement de quelques minutes sur la parole de Dieu, la Bible, les Saintes Écritures. Vous savez, je mets un point d'honneur à parler des Saintes Écritures parce qu'en réalité, la foi du chrétien, la foi du croyant en Christ doit reposer sur les Saintes Écritures. Il ne doit pas reposer sur les expériences, sur les visions des uns des autres, sur les songes, sur les rêves. Parce que toutes ces choses-là peuvent nous tromper, peuvent nous induire en erreur. Mais la seule chose qui est fiable, qui est authentique, qui ne pourra jamais nous tromper, nous décevoir, nous décourager, c'est la parole de Dieu. Ce sont les Saintes Écritures. Donc je mène donc un point d'honneur à pouvoir enseigner la parole de Dieu, mettre l'accent sur les Saintes Écritures, afin que la foi du chrétien, du croyant en Christ, soit bâtie sur cette parole de Dieu, et qu'on puisse marcher dans la plénitude de la foi, et dans toutes les promesses que Dieu a mis pour nous, afin que nous puissions en jouir, tout simplement. Que la grâce de Dieu donc vous soit toujours avec vous, et que le Saint-Esprit continue à vous enseigner, à vous instruire, à vous amener à comprendre la parole de Dieu. Vous savez, il est écrit dans le livre de Actes, chapitre 17, verset 11, que les Juifs de Bérée, pas les chrétiens de Bérée, parce que soyons précis dans la parole de Dieu, les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mais qui est-ce que leur enseignait? Qui est-ce qui leur prêchait la parole? C'était Paul et Silas. C'était pas les moindres. Paul, le grand apôtre Paul, comme on peut le dire, c'est lui qui leur prêchait la parole. Mais là, cela ne les empêchait pas, donc les Juifs de Bérée, d'aller examiner les Écritures pour voir si ce que Paul et Silas leur disaient était en conformité avec les Saintes Écritures. Donc, ça veut simplement dire que la réputation, la renommée, la notoriété de quelqu'un ne doit pas nous exclure à examiner la prédication de cette personne à la lumière des Saintes Écritures. Donc, c'est notre responsabilité, nous, enfants de Dieu, de pouvoir examiner nous-mêmes, pour soi-même, les Saintes Écritures. C'est très important. Donc, on ne base pas notre vie chrétienne sur les expériences des uns et des autres, sur les rêves, les sons des uns et des autres, mais plutôt sur les Saintes Écritures, la parole de Dieu, qui est la vérité de Dieu, qui est la pensée exacte de Dieu. Vous savez, Paul pouvait dire dans Romains 10, verset 2, puisque c'est lui l'auteur du livre de Romains, il a dit, « Je rends le témoignage aux Juifs qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, sans connaissance juste, précise, correcte de Dieu. » Le mot « intelligence » ici, c'est en grec, c'est « epignosis ». Donc, sans connaissance juste, précise, correcte de Dieu. Donc, il ne suffit pas d'avoir seulement le zèle, d'avoir la dévotion pour le Seigneur. Mais il faut que cette dévotion, ce zèle, soit fondée sur la connaissance précise, juste et exacte de Dieu. Sinon, cela sera en vain. On va rentrer dans une forme de frustration, de découragement, de déception, d'amertume. Donc, moi, ma motivation, c'est d'amener le peuple de Dieu, le chrétien, à pouvoir soi-même ouvrir la Bible, lire les Saintes Écritures et comprendre les Saintes Écritures pour soi-même, afin qu'on puisse marcher dans cette plénitude de la foi et vivre les promesses que Dieu a en réserve pour nous. Gloire à Dieu. Donc, Jean chapitre 5, verset 39, c'est le Seigneur Jésus qui parle ici. On va écouter ce qu'il dit. Jean chapitre 5, verset 39. Donc, Jésus ici est en train de parler, s'adresser aux Juifs. Il va leur dire ceci. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jésus est en train de simplement dire ici que vous les Juifs, vous passez du temps, du matin au soir, à sonder les Écritures, à étudier la parole de Dieu avec dévotion. Mais en réalité, les Saintes Écritures, pensant donc avoir en elles la vie éternelle, mais en réalité, dans les Saintes Écritures ne se trouve pas la vie éternelle. Donc les Saintes Écritures, la Bible ne donne pas la vie éternelle. Mais les Saintes Écritures rendent témoignage de moi. Les Saintes Écritures parlent de moi. Les Saintes Écritures révèlent Christ. C'est ce que Jésus est en train de lui dire. Regardez le verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc la seule manière pour avoir la vie, c'est de venir à Christ. Parce que c'est en Christ que se trouve la vie éternelle, la vie Zoé, la vie de Dieu, la vie qui est surnaturelle, qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse la raison humaine. Cette vie-là se trouve qu'en Christ seul. Donc les Saintes Écritures, en réalité, il n'y a pas la vie. Non. Mais les Saintes Écritures nous présentent Christ, nous révèlent Christ. Donc les Saintes Écritures, c'est un livre que Dieu nous donne afin que nous puissions voir dans les Saintes Écritures, voir dans ce livre-là, Christ. Donc le message de Christ. Donc les Saintes Écritures nous présentent Christ.
Donc, dans les Saintes Écritures, il n'y a pas la vie éternelle. Non. Mais dans les Saintes Écritures, il y a Christ qui est caché, Christ qui est révélé ensuite. Et c'est maintenant toi qui dois mettre à fond Christ pour avoir la vie éternelle. Donc, c'est important. Donc, en tant que chrétien, on ne doit pas utiliser la Bible comme étant ce livre-là, comme étant un talisman. Parce qu'il y a des gens qui prennent les chrétiens qui dorment avec la Bible, comme cheveux, comme sommier, comme coussin. Disait, non, si je mets la Bible à côté de moi pendant que je dors, les démons ne vont pas venir m'attaquer, le diable ne va pas me faire du mal. Non, ce n'est pas ça. La Bible n'est pas un talisman. Et même le diable même connaît aussi les Saintes Écritures. Il est capable de pouvoir te réciter beaucoup de versets. Donc la Bible en elle-même, ce n'est pas ça qui constitue le pouvoir que Dieu nous donne pour pouvoir vaincre l'ennemi. Ce dont l'ennemi a peur, c'est de Christ. Donc la Bible va te révéler Christ et toi tu vas croire en Christ. Et lorsque tu vas croire en Christ, tu auras la vie éternelle. Et comme tu es en Christ, tu es protégé, tu es gardé par Dieu et par les anges. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean 3, verset 36, nous allons lire. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc c'est seulement en Jésus-Christ que se trouve la vie. C'est pourquoi dans Jean 11, face au tombeau de Lazare, Jésus pouvait dire, « Je suis la résurrection et la vie. » Donc Jésus est la vie. En Jésus se trouve la vie. Donc ce n'est pas en la parole de Dieu, ce n'est pas dans la Bible, dans ce bouquin, donc dans ce livre que se trouve la vie. Mais dans ce livre se trouve Jésus, est caché Jésus, est révélé Jésus, est présenté Jésus, est affiché Jésus. Maintenant, à toi de croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi je veux exhorter quelqu'un ici pour lui dire, la seule personne qui est capable de te donner la vie éternelle, c'est Jésus. Donc la Bible, c'est un seul livre, du commencement jusqu'à la fin, qui te présente Jésus. C'est ce que Jésus encore va expliquer dans Luc 24. On va lire Luc chapitre 24, lorsqu'il s'est révélé aux deux disciples, à ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. La Bible déclare que leurs yeux étaient empêchés de pouvoir reconnaître Jésus. Il va leur dire, verset 25, « Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Verset 26, « Ne fallait-il pas que Christ, le Christ, souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire ?» Verset 27, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Donc Jésus est en train de leur faire comprendre que dans toutes les Écritures, la personne principale, ou si vous voulez, le personnage principal, de la Bible, des Saintes Écritures, c'est moi Christ. Donc Jésus va commencer depuis le jardin d'Éden pour lui expliquer les choses qui le concernent. Il va dire, lorsque Dieu va dire au serpent, la semence de la femme écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Il parlait donc de Jésus. Le serpent allait blesser le talon de la semence de la femme, donc allait faire crucifier Jésus, allait faire souffrir Jésus. Et Jésus allait écraser la tête du serpent. Donc Jésus allait vaincre le serpent, donc le diable, allait pouvoir destituer le diable de son pouvoir, de sa position qu'il avait occupée lorsqu'il a trompé Adam dans le jardin d'Éden. Et Jésus aussi va leur parler aussi du serpent d'airain que Moïse a élevé. Il va dire c'était moi encore que ça représentait. L'arche du salut, l'arche que Noé a construit. Il a dit tous ceux qui entraient dans l'arche et allaient échapper au déluge. Dans cette arche-là aussi, il représentait le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans les cinq sacrifices dans le livre de Lévitique, parlez aussi de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean-Baptiste va dire dans Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, les agneaux qui étaient sacrifiés étaient le symbole de Jésus-Christ. Donc, dans toute la Bible, du début jusqu'à la fin, c'est Jésus-Christ qui est présenté, c'est Jésus-Christ qui est révélé. Dans l'Ancien Testament, il est caché. Dans le Nouveau Testament, il est révélé. Donc, la Bible, c'est un seul livre, un seul message, et c'est le message de Christ. Donc, on n'ouvre pas la Bible pour voir quel est le démon qui est dans la famille, qui est dans ma famille, quel est le démon qui fait que mes finances n'avancent pas. Non, on ouvre la Bible pour découvrir Jésus, pour voir Jésus, pour voir son sacrifice, pour voir ce que ça représente, ce que ça nous apporte. Donc, c'est la personne de Jésus qu'on essaie de découvrir dans la Bible. Sinon, tu vas toujours te tromper et tu seras toujours dans la déception. Donc, on n'ouvre pas la Bible pour dire, non, j'ai découvert le nom d'un démon, l'esprit de Jézabel, l'esprit de Zorobabel. Non, c'est faux. Amen. L'esprit de Marie de Nul, l'esprit de Cyril des eaux. Non, c'est faux. Il n'y a pas tout ça dans la Bible.
ce qu'il y a dans la Bible. Ce pourquoi Dieu nous a donné ce livre, c'est de nous présenter son Fils, de nous présenter l'œuvre qu'il était venu accomplir, de nous présenter le sacrifice de son Fils, afin que lorsqu'on croit en son Fils, nous avons la vie éternelle, nous avons nos noms écrits dans le livre de vie, et nous serons assis dans les lieux célestes à la droite de Dieu le Père. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Que la bénédiction de Dieu repose sur vous et sur vos familles. Je déclare au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu puisse ouvrir votre intelligence, illuminer votre cœur, afin que vous puissiez voir Jésus dans les Saintes Écritures. Nous allons continuer cela prochainement. Que la grâce de Dieu demeure sur votre vie au nom de Jésus. Amen.